Le député de Montarville. Monsieur le Président, Global News allègue qu'un député libéral a conseillé au consul de Chine à Toronto d'agir contre la libération des deux Michael emprisonnés en Chine. Ce serait extrêmement grave en soi, mais ce qui doit aussi nous préoccuper, c'est que le bureau du premier ministre l'est, semble-t-il, appris dans les médias. Le premier ministre serait même tombé en bas de sa chaise, Monsieur le Président. Pourtant, le SCRS l'avait averti dès 2019 des liens étroits entre le député et le consul, et ce, avant même l'élection du député. Comment est-ce possible que ce député ait pu continuer d'avoir accès librement à la diplomatie chinoise? Bravo!